J'habite à La Boussac, c'est à 10 km de Bretagne. Moi, si un jour si je vais habiter quelque part, ce sera pas ici en tout cas. J'ai trop vu les villes et puis ça devient n'importe quoi, du coup. J'aime pas la campagne. Moi, j'aime pas du tout ça. Partir des civils, genre, nous sommes mal. J'habite à Saint-Moine. Comme j'habite un peu plus loin, je peux pas me déplacer comme je veux. Je ne peux pas aller me déplacer dans Saint-Malo, dit-elle, car je suis à pied. Je ne veux pas d'habit. Je suis bien tout seul, personne ne me fait chier. Je suis trop bien comme ça. Je vois pas mes amis comme je voudrais. Pour mes journées, je fais un peu de rangement. Après, ben, je prépare à manger pour le midi et le soir. Et après, je m'occupe de moi. Je vais faire mes journées. Je dors. J'aimerais trouver un travail, comme tout le monde. J'aimerais avoir un travail un jour. Alors, je n'arrive pas à trouver du travail parce que je n'ai pas de moyens de locomotion. Je vis sans rien. Je suis plutôt bénévole en restauration. La restauration, c'est le seul domaine que je connais vraiment, ou de lequel je me sens le mieux. Rapidement, un projet est né. Leur projet, parce qu'il venait d'eux. Une envie commune de faire de la musique, de faire du son. Il fallait trouver un mode de financement. L'un d'eux a eu l'idée de cuisiner. D'autres ont immédiatement dit qu'ils pouvaient participer et qu'ils aimaient bien faire la cuisine. On a fait un test avec un plat. Puis, la surprise ce jour-là, c'est qu'on leur a présenté un traiteur qui disposait d'une cuisine, de matériel, et qui leur a dit « Venez, venez préparer votre plat, faites vos courses, et moi je vous mets à disposition tout le matériel de la cuisine. » Le plat a été préparé pour 150 personnes. Ils ont fait les comptes. On enlève les achats. Ils ont gagné 592 euros. Pendant plusieurs mois, on s'est retrouvés chaque semaine. Au fur et à mesure de ces ateliers, on a rencontré des acteurs du territoire, des acteurs associatifs, des acteurs professionnels. Et petit à petit, un esprit de groupe est né. On a visité le territoire, la campagne, les lieux remarquables. La rencontre qui m'a le plus touchée, les organisatrices de ce projet. La bibliothèque, c'était bien ça. Voilà, voir la cuisine, tout ça, c'était bien ça. Je suis venue parce que ça me motive à bouger de chez moi déjà. Puis je découvre d'autres choses. Depuis qu'on s'est connus en janvier, le plus plaisir, bah, ça m'a permis de sortir déjà, de voir des choses que je connaissais pas. Et honnêtement, si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. Oui, je voudrais bien que l'on refasse. Avec un plat, mais un bon truc. J'ai aimé être avec les autres. Puis ça m'a permis de faire des efforts sur moi-même aussi. Avoir un local pour faire du son, si je peux faire des choses, je serais heureux, je serais trop bien. Est-ce que j'aimerais qu'il y ait un espèce? Oui. Pour qu'on puisse être dans notre élément sans être jugé. Moi, pour ma part, ce que j'y ferais, c'est mes passions. Ce que j'aime faire, le chant, dessiner, lire aussi. Rien n'est compliqué dans la vie.